Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un peu nouveau, j'ai commencé ma broderie avec la tête de cheval de la boutique. Ça y est, j'ai oublié, Petit Poisson Rouge. Je vous le marque ici sous la vidéo et je vous mettrai en même temps en barre d'infos le lien pour retrouver ce kit si jamais il vous intéresse. Donc j'ai commencé mes premières petites croix sur ce kit. Bon là j'aime bien parce qu'il y a des grandes surfaces, il n'y a pas trop de confettis, enfin pour l'instant, mais même sur le reste de l'ouvrage, il n'y en aura pas beaucoup de confettis. Donc ça va très bien à broder. Là, je vous ai mis donc mes premières croix en vidéo. Alors, faites pas attention si des fois il y a un petit peu du hors-champ. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai essayé de monter la vidéo au mieux pour que ça aille. Mais j'ai brodé. Alors là, comme c'était une broderie, c'est Naïda, hein, c'est du 14-7. Mais du coup, j'ai brodé sans ma loupe et avec le téléphone. Donc avec le téléphone ça va, je voyais bien, parce que moi si j'ai pas ma loupe pour broder, je suis une vraie top. Je vois rien, je vois même pas l'aiguille, hein. Malgré mes lunettes. Donc j'ai brodé comme ça, donc avec mon téléphone en grossissant, donc ça a été. Mais c'est vrai que par moment, on voit que je suis un peu hésitante devant l'objectif du téléphone. Mais bon, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. On voit très bien de toute façon ce que je suis en train de faire, hein. J'ai fait au plus près, j'ai filmé au plus près pour que vous voyez bien. Sinon, à la fin, bon, je n'allais pas vous filmer. Là, j'avais brodé pendant 3 jours. Je n'allais pas vous mettre les 3 jours de broderie. Sinon, demain, vous y êtes encore en train de regarder la vidéo. Donc, je vous ai mis les premières croix du premier jour. Voilà, ça, je l'ai filmé. Et à la fin, vous verrez, je vous ai mis une photo pour vous montrer où j'en suis arrivée aux 3 jours de broderie sur ce kit. Voilà. À la fin, je vous marque sur la vidéo si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous voulez voir la suite de cette broderie en filmant, comme je viens de faire aujourd'hui, bah dites-le-moi en commentaire. Si ça ne vous plaît pas, bon, ça se peut, hein, dites-le-moi aussi. Comme ça, bah, Hop, j'ai un truc qui allait tomber. comme ça, bah, je vous referai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Je ne vais pas les faire tous les jours, bien sûr, mais ça va être un peu comme le DP. Je vais avancer hors caméra et je vous referai un film. J'avancerai des croix en filmant. Voilà, je ferai comme ça. Bon, là, il va y en avoir pour un petit moment quand même, hein. Mais le kit, il fait. Alors, attendez, c'est à combien? 40, 50, je crois. Moi, c'est pareil, je vous remarque la taille exacte. Donc j'en ai quand même pour un petit moment. La broderie, c'est pas comme le DP, hein, c'est un peu plus long. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ce style de vidéo va vous intéresser également. Ça changera un petit peu. Et puis bon, celles qui sont brodeuses vont peut-être apprécier. Bah, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà. Bon, faites pas attention à ma tête. J'ai une sale tête, on dirait même une sale tronche en ce moment. Mais je suis patraque depuis jeudi. J'ai fait une migraine ophtalmique. Et d'habitude, au bout d'un jour ou deux, je me remets. Mais là, non, ça m'a complètement cassée. J'ai très souvent mal à la tête encore. Et bon, les migraines ophtalmiques, c'est une horreur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Avant, j'en faisais énormément. Et j'étais tranquille à plusieurs années, en faisant peut-être une par an ou un truc comme ça. Mais là, celle-ci, elle est costaud, hein. Voilà. Donc, je dois prendre j'ai des ampoules. Normalement, c'est des ampoules qu'on met dans des perfusions. Donc, je dois les prendre sur du sucre pour faire passer mon mal de tête.
ma migraine et du Doliprane, mais bon, ça a du mal cette fois-ci à passer. Pas mal fatiguée du coup, ça me casse bien. Mais bon, lundi je revois mon docteur, donc ben, demain matin je revois mon docteur pour mon ordonnance mensuelle. Donc ça tombe bien, je vais lui en parler. Et voir, parce qu'avant j'avais un médicament pour ça, pour les migraines ophtalmiques. Dès que je sentais que la migraine arrivait, je prenais le médicament. C'est comme une pastille qu'on laisse fondre sous la langue. Et là, une demi-heure après, j'étais tranquille, hein, j'avais plus rien. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de migraine ophtalmique, je n'ai plus ce médicament-là en stock à la maison. Du coup, je vais en redemander demain. Voilà. Bon, je pense que c'est les chaleurs aussi qui me font ça, j'en sais rien, mais bon, on verra. Vivement qu'il refasse plus frais. Nous, dans le Nord, on n'a pas l'habitude des grosses, grosses chaleurs comme ça. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête de blablater hein, sur ma petite personne. Et je vous fais plein de gros bisous. On est dimanche, donc je souhaite un bon dimanche ou une fin de bon dimanche, suivant l'heure où la vidéo sera mise en ligne et à l'heure où vous allez regarder, hein. Donc bonjour, bonsoir, au revoir, bonne nuit. Allez, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.